Je m'appelle Guillaume Chaperon, hein, je suis dans la région nantaise depuis un moment. Je suis passé étant jeune, bien que je ne sois pas encore très vieux selon les dires de certains, mais par le sport études, donc à la Collinière, hein, collège, lycée, des heures d'entraînement on a bouffé. Ce qui m'a donné une bonne expérience de joueur et puis après d'entraîneur, où j'ai entraîné dans différents clubs, à la Chapelle-sur-Erne notamment, Sainte-Luce et Port-Saint-Père. Et j'avais allié aussi des études dans le commerce. Donc je me suis dit pourquoi pas tout centraliser, faire le commerce, la passion, les études, au travers du tennis de table que je joue depuis que j'ai 5 ans et demi. Donc ça fait un moment. Le magasin New Ping a été monté donc il y a un an et demi. Aujourd'hui, un grand pas vient de se franchir avec la collaboration avec Mister Ping Réseau, dont je suis ravi. Et puis, que l'aventure commence et qu'elle soit belle, surtout. Le concept attrayant, la marque Mister Ping qui est reconnue depuis de nombreuses années. Je suis pour l'innovation, les nouvelles idées. Et puis à plusieurs, on sera plus fort. D'ici 2-3 mois. Un peu avant l'été, ce serait l'idéal, vers juin, juillet, pour la rentrée prochaine au plus tard, de toute manière. Alors dans la gestion pure, non, c'est plus mes études dans le commerce. Par contre, effectivement, dans le conseil et puis dans le service apporté aux joueurs, hein, en plus je suis défenseur, donc j'ai la caractéristique de connaître un petit peu les picots. C'est clairement un plus, hein, ça donne effectivement une crédibilité et puis ça rassure, ça met en confiance le client, ce qui est le principal. Beaucoup plus de facilité. Là aujourd'hui en début de saison, j'avais une dizaine de marques à passer commande. Grâce à la centrale d'achat, en une commande, je pourrais réunir plusieurs produits de différentes marques. Donc beaucoup simple, beaucoup plus simple de gestion et puis surtout l'ouverture à beaucoup beaucoup de marques que je ne faisais pas jusqu'à présent. Eh bien oui, après effectivement, hein, la centrale d'achat peut effectivement apporter de nouvelles envergures et donc du coup un impact pour le joueur qui va consommer, qui va acheter et de l'acheter aussi moins cher. De bien échanger sur les différentes modalités de la franchise, parce que moi j'étais un avis extérieur de la franchise, je connaissais pas du tout ce milieu de manière concrète, hein, je l'avais vu de manière théorique en cours, mais c'est bien plus passionnant de manière concrète. Et puis surtout de faire confiance à Daniel et Dragan, hein, parce que effectivement ils sont de bons conseils et ils ont de très bonnes idées. Faites-vous plaisir, le ping, ça reste une passion. We'll be right back.